Bonjour à tous et à toutes, et je suis vraiment content aujourd'hui de vous retrouver. Je suis content de vous retrouver sur Dead Island. Donc je fais cette vidéo juste après Amnesia, parce que j'ai du temps et que j'ai envie de faire des vidéos là, franchement. Pour répondre à un petit commentaire d'une personne qui m'avait demandé, faire un let's play de Source of Damp. Eh bien non, désolé, je ferai pas de let's play. Je ferai que quelques missions. Une ou deux missions, c'est tout avec vous, pas plus. Évidemment, je prendrai d'autres jeux. Vous inquiétez pas, ma chaîne est loin d'être finie. Et loin, enfin, c'est loin d'être les seuls jeux que je vais faire. Hein. De toute façon, hein, tous les jeux, je vais. Enfin, pas tous, mais beaucoup de jeux, je vais les faire. Donc, vous inquiétez pas pour ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais faire une petite mission avec vous. Donc, c'est une mission, je crois, avec Joseph, je dois le suivre. Là, le tunnel des égouts passe sous la rivière et mène à l'autre rive, mais il faut d'abord baisser le niveau des eaux usées. Car pour l'instant, tout est inondé. Ok. On peut aller au bâtiment de maintenance et aux fermes. Montrer. Quoi? Ah oui. Je me déplace plus rapidement qu'avant. Il faut que vous me protégiez ces démons. Vous voulez bien? Ben oui, je veux bien, sale. Merci, allons-y. Vas-y, Joseph. Yo, Joseph. Si tu voulais bien. Si tu voudrais bien. Ah, mais. Si tu voudrais bien te bouger le cul, ça m'arrangerait. Tu sais quoi, Joseph? Parce que là, Joseph. Je dois te dire que ça fait 15 fois que je dis Joseph. Donc j'en ai rien à foutre. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis arrivé dans une nouvelle ville. Je suis plus sur le. Pardon, je suis plus sur le bord de la plage. Enfin, assez bas de l'île, je suis plutôt remonté sur l'île. Et donc du coup, ben là, je suis dans une espèce de village. Et avec des zombies beaucoup plus féroces. Et des zombies aussi nouveaux. Voilà, donc vous allez voir ça dans pas longtemps. Autant, j'ai fait des kung fu, tu l'as oublié ou quoi déjà? Ah mais Joseph! Tu m'as dit que t'allais pas aussi vite qu'avant, tu te fous de ma gueule ou quoi? On va essayer de passer par ce bâtiment. Ok, vas-y ma biche. Non, je déconne. Ma bitch, plutôt, je voulais dire. Toi, tu restes à terre, ok? Ok? On s'occupe de tout, gros bâtard. On s'occupe de tout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument aucun problème. Je ne suis absolument pas atteint mentalement. Je suis tout au bordel de merde. S'il y a un gros là, ça me ferait. What the fuck? Calme-toi, passe pas par les petites rues. On t'a jamais appris que c'est là où il y avait le plus de violeurs, t'as vu? Non, je déconne. Je pense que ce serait mieux d'aller tout droit, mais t'y vas où tu veux, espèce de bâtard. Allez, magne-toi. Voilà, moi je fais du kung-fu pour l'instant. Voilà, allez, ciao. Cours! Cours, Joseph! Cours! Ok, bon, il est absolument pas dans le rythme. Eh vas-y, laisse-moi tout seul. C'est ça, casse-toi, connard. Putain, vous avez vu ça? Joseph, t'es un gros connard. Casse-toi, toi. Putain, je parle à Joseph, connard. Putain, le mec, vous le sauvez et tout, et lui, il se bat. Il y a un zombie en plein sur sa gueule, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part à droite. Voilà, il me laisse. Et là, je dois faire quoi? Mais fais-toi crever, Joseph. J'en ai un à foutre, Joseph. Tu vas te faire enculer, hein, Joseph. Ça fait beaucoup de Joseph dans une phrase. Ah, maintenant tu te bats, Joseph. Hein? Putain, mais c'est un gros con, Joseph, hein, sérieux. Oh. Tu permets, je passe. Un petit peu. Je passe un petit peu. Oh merde. Mais tu fais quoi là? Vas-y, avance. Avance parce que tu m'énerves. Non, je déconne. Non, sérieusement. Putain, j'aime pas ces cris là. Ce connard là, il y a un zombie qui arrive en place sur lui. Et lui, oh, je chavire à droite. Et je te laisse le zombie. Je dois t'accompagner ou je dois crever pour toi? Hein? Elle me dit pas qu'il y a d'autres zombies parce que là c'est bon. Enfoiré cupide. C'est la fin de journée. Hein, quoi? C'est la fin de la journée. Et alors, j'en ai rien à foutre. Je défonce des zombies à n'importe quelle heure. Et puis c'est le début de la journée, il est que 15h45. Je viens de me lever, ok? Non, je déconne. Aujourd'hui c'était la rentrée. Aujourd'hui c'était la rentrée. Au fait d'ailleurs, je vous ai pas parlé de la rentrée. Aujourd'hui c'était la rentrée, donc j'étais en troisième.
Et là, ben, ma première année de lycée, ça va être du coup. Je suis passé en seconde, donc le lycée, ben, ça m'a vraiment changé. Mais je trouve que c'est vraiment sympa quand même, hein. Ça change. J'ai des horaires, mais putain, même vous, je vous les dirai, vous serez trop jaloux, quoi. C'est abusé. Je pensais avoir des horaires vraiment dégueulasses et tout. En fait, il y a eu une espèce de truc spécial, là, vous savez, comme semaine A, semaine B, tout le bordel. Ah, comment je me suis fait putain de plaisir. J'ai été dans. Parce qu'il y a, il y a des espèces de groupes en fait aussi, si vous voulez, parce qu'il y a enfin, des trucs spéciaux quoi. Il y a une espèce de groupe A et de groupe B, et de semaine A et de semaine B. Et moi j'étais dans le groupe B, et putain, on a des putains d'horaires. Par contre, il va falloir travailler à un max parce que c'est. Ça m'a l'air un peu Shodenite quand même. Enfin, Shodenite, mais bon, ça me plaît. C'est dans l'informatique, donc tout est ok. Bon, passons à ces putains de zombies. Est-ce que tu vas arrêter de faire ta putain de conne de merde, de chien, de chiasse? Et me laisser te tuer, bordel. Pardi. Allez, toi, avance, Joseph. Joseph. Hey, Joseph. J'aime bien dire Joseph. Ça fait un petit peu Joseph, comme Joséphine Gardien. Gardien. Non, attends. Mais crève, c'est pas grave, là, qu'est-ce que je me casse les couilles. Non, crève pas, crève pas. Oh putain! Casse-toi! Eh merde, moi qui fais crever, Joseph, est-ce que t'es en bonne santé, Joseph? Joseph, tu vas bien? Oh, toi, t'as de la chance que je n'ai plus de munitions, hein. Espèce de sale pute. Espèce de sale pute, sale pute, sale pute, sale pute. Nanana. Ceux qui connaissent reconnaîtront cette chanson. Allez, Joseph, viens là. Viens là, mon petit Joseph. Viens là, mon petit Mexicain. Tu vas me donner des tacos après. Ninja! 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 Oh, la salope! T'es sérieuse, là? Est-ce que tu veux qu'il te manque des bras? Oh, putain, le connard. Oh, le connard. Mais ne pars pas sans moi. Oh, on va dire que je suis tes parents. Oui, je suis seul, mais je suis tes parents. Et que toi, tu traverses la rue et qu'il y a des putains d'inconnus, de zombies de merde qui veulent... Qui veulent te putain de prendre dans leur voiture et te violer, ok? Ou pas, mais qui veulent. Qui veulent, je sais pas, qui veulent pas te faire traverser des putains de gens. Et tu vas encore crever! Mais va te faire mettre, José! Va te faire mettre! Ah non, c'est bon. Tu m'as fait peur, José. Bon, vite, parce que. Who's next, là? Who's next? Who's next? Hey, bitches! Hey, bitches! Hey, bitches! Est-ce que tu veux avoir un bras des copains, fouet? Est-ce que tu veux avoir un bras de paille? Est-ce que tu veux te reposer? Est-ce que tu veux te reposer dans l'eau? Allez, noie-toi, noie-toi. Non, tu te noies. Tu... Oh là, oh non! Non, 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 je suis pas d'accord là. Oh putain! Je suis en train de me faire niquer. Je suis en train de sérieusement me faire démonter. Je suis en train de me faire même violer. Oh putain, oh putain. Mais vous, t'es où José? T'es où José? Putain, t'es où? T'es où José? T'es où? T'es où José? Ok. T'es où José? T'es où José? Ta 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 ta. Quel pédophile, José? T'es vraiment un connard. Ah merde, je tape sur José, moi. José, ça va être le nom et le mot de la vidéo. Je vais même mettre ça en titre, autant. C'est Joseph, mais je m'en fous, j'ai envie de l'appeler José, ok? Mais t'as rien à dire, t'as rien à dire. Arrête de parler, là. Arrête de dire quelque chose. T'as rien à dire, c'est moi qui le surnomme, ok? Oh, sérieux, t'es casse-couille, hein? Arrête, arrête, t'as pas le droit. Casse-toi, toi. comment elle a pris cher, comment elle a... Oh putain. Ah sérieux là je rigole plus. Attends. Oh je vais... Ah non, pas toi, pas toi. Oh non, oh non, oh non, pas toi. J'ai horreur de zombies, sérieux. Et eux avec les masques de Freddy Krueger. Cours. Cours parce que l'os il explose, hein. Vous l'avez vu ou pas? Parce qu'il explose ce connard. We're here. Nous sommes là derrière cette porte. Ah non. Oui, si, bah oui, nous sommes là derrière cette porte. Entrez les égouts, ouvrez le manche. Ok. Ok, je vais ouvrir le manche.
Donc voilà, vous voyez un espèce de petit dessin de la map en gros, si voilà quoi, si vous voulez voir, hein. Ça vous montre un petit peu comment est-ce qu'elle est faite, enfin comment est-ce qu'elle est faite. En gros, quelle est l'ambiance et tout ça. Niveau supérieur, mais ça veut dire quoi? Il y a des survivants ou quoi là-dedans? Mais oui, il y a du survivant là, on dirait là-dedans. Je sais pas. En tout cas, faudrait voir s'il n'y a pas des trucs à bouffer ou des trucs comme ça. Ah oui, non mais faut que j'aille voir José. Oh putain. L'héros est inondé. Ah non, la route est inondée. On doit fermer les valves et monter la vanne pour baisser le niveau de l'eau. Voulez-vous m'aider? Bien sûr, José, bien sûr. Sure. Alors au travail. Ouais, genre le mec, tu sais, il donne des ordres et tout comme ça va pas. Oh, déjà que je t'aide et tout, c'est moi qui risque ma vue. Ma vue? Bah oui, c'est vrai que c'est moi qui risque ma vue, bien sûr, oui. Ma vie? Et putain de con, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, ok, au boulot. Mais alors tu vas travailler. Parce que, hein, tu vas te sortir gentiment les doigts de cul. Genre, c'est limite ça. Non, non, toi, j'en étais sûr, t'allais te relever. Et bim! Je veux que tu tombes, je veux pas que tu restes là. Je sais pas si t'as compris le système de l'eau qui est en dessous. Et le système aussi du principe qu'on est en hauteur, tu vois. Donc si on est en hauteur, pour moi, le but, c'est de te faire manger la gueule par terre, quoi. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, tu viendras plus me faire chier. C'est un peu le but de ce putain de truc de merde qui... Voilà. Voilà, vous avez tout compris, c'est bien. Oh la con de ta mère! Merde, je voulais te prendre en photo, t'avais l'air si horrible. Mode taser pistolet, ok. Je pense que ça peut servir. Ah, ben voilà quelque chose qui peut me servir là, attends. J'ai une compétence ou quoi? Ouais, j'ai une compétence. Bah, tenez, on va mettre une compétence. Je vais mettre une compétence avec vous. Endurance, ça va me servir, je pense. Voilà, ça y est, j'ai mis une compétence avec vous. Vous êtes content maintenant? Au revoir. Non, je déconne. Sérieusement, inventaire, mon pistolet. Non, peut-être que ça. Batte de baseball fort, déjà, je vais le mettre. À la place de cette connerie là. Merde, elle est où la truc là? Bâton dangereux. Bâton dangereux. Ah voilà. Voilà, ça y est, j'ai de quoi me battre maintenant. Ça me suffira, je pense. Ouais, bon, ça c'est pas hyper méga bien fait, mais bon, ça va encore. Oh là 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 là! Encore un nouveau zombie! Ah ben là, franchement, c'est trop cool, hein. Je découvre un nouveau zombie avec vous. Donc c'est vraiment bien, je trouve. Un zombie qui m'a l'air d'avoir des bras qui lui poussent sur les bras et les jambes. Avoir beaucoup trop pris de McDonald's. Et aussi gerber de la glace. What the fuck? Et merde, voilà, je suis mort. Putain, mais quel boulet je suis, bordel! Je vais devoir reprendre de la vie, je vais pas pouvoir me battre contre ça avec si peu de moyens. Ils me foutent mon flingue, va savoir pourquoi. Si tu me fous mon flingue, pourquoi tu ne mettrais pas des munitions avec? Ça serait gentil. Pédo. Péda. Oh le connard! Oh, il tombe même pas ce connard. Je vais te lancer ça dans la gueule, on va voir si tu vas résister encore. Et hop les. Germe sur ton pote, c'est ça. Casse-toi. Et rends-moi mon couteau, s'il te plaît, il est planté dans ton bide. Waouh! What the... Oh putain, excellent! 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 Oh bah tu vas rester par terre, mon gros! Ah! Oh, vous avez vu? Oh la sale pute! C'est quoi ça? C'est un pénis? Eh ben tiens. Ah oh non, le mec il a fait comme ça. Alors il est monté et bah il s'est vautré la gueule par terre. Oh le putain de taré quoi. Ah mais il me fait délirer ce truc. C'est un gros connard mais il me fait délirer.
Oh putain! Ça fait peur. Tiens. Kung Fu! Est-ce que tu sais que je suis venu Kung Fu? Ah mais, casse-toi, je t'ai dit. Est-ce que tu sais que je fais du Kung Fu? C'est ça, regarde-le! Regarde-le! Regarde-le bien le morceau! Hein? Regarde-le bien le morceau de putain de fer! Parce que tu vas le manger. Parce que tu es en train de le manger. Attendez, c'est quoi masse dangereuse? Ok. Bah, si elle n'était pas dangereuse, je l'aurais pas pris. Hein. Okay. Ah non, c'est nul. C'est nul ce que j'ai dit, c'est nul. Avouez-le, c'est nul. C'est dégueulasse même. C'est de la merde. Genre, c'est de la chiotte. Nanana. Je dois aller à l'opposé, donc je suppose que si je vais là, ça va rien faire. Manche à balai, waouh, lol, c'est le genre de truc que je prenais au tout début du jeu. Maintenant, il faut du lourd, ok? Du lourd de chez lourd. Toi, tu vas te réveiller. J'en étais sûr. Et tu te réveilleras jamais, du coup, mec. Je suis désolé. En espérant qu'il y ait des munitions ici, parce que j'ai vraiment besoin de munitions. S'il y a quelque chose dont j'ai besoin, c'est vraiment des munitions, là. Je sais pas où je suis. Oh putain, ça m'a l'air grand ici. What the fuck, ça m'a l'air vraiment grand. Vous savez quoi, je vais pas aller plus loin, je vais repartir à ma mission parce que j'aurais peut-être continué. Et j'ai entendu un cri bizarre. C'est bizarre. Allez, c'est parti. Mission. Mission zombie qui flotte. Tu te fous de ma gueule, vous êtes pas censé mourir sous l'eau, vous. Bon, on va dire que ce sont des nageurs professionnels. Bon, maintenant t'es plus un nageur, t'es un nageur sans tête maintenant, ok? Toi aussi. Et toi t'es un vendeur d'assurance, mais tu vendras plus jamais d'assurance, donc. Toi tu dégages, toi t'es rien du tout. Désolé, je l'ai pas trouvé drôle pour toi, je suis désolé. Je peux rien y faire, hein. Je peux pas tout trouver, tu sais. Toi, je peux te trouver un rôle, poubelleur, mais bon, à part ça. En plus, t'es à poil, donc tu veux que je fasse quoi? Je peux pas te dire ce que tu pourrais être, hein. Tu pourrais rien être, ouais, tu pourrais rien être. Ça t'irait bien, je pense, d'être rien. Toi tu vas glisser par contre. Oui, toi tu vas pas me casser les couilles, toi tu vas être ça. Regarde. Toi aussi. Non, je vais courir plutôt, je vais courir. Ouais. Voilà. Oh putain! Pas un gerbator, bordel! Ah, mais on peut le faire tomber. Mais ouais, on peut le faire tomber, bordel de chiottes. Ah non, on peut pas le faire tomber, je crois. Ah si, on peut le faire tomber. Il va rester par terre le gerbator. Tu me fais penser au gerbator de Killing Floor, mais. Mais tu m'as l'air encore plus con. On va dire que tu m'as pas vu. Toi non plus. Voilà, allez, je vous enferme. Moi, vous me casserez moins les couilles. Voilà, c'est parti. Oh putain, c'est un gros. Oh non, non, non. Ah non, 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 là, je vais pas chercher à battre des zombies. Parce que j'ai même pas de munitions. D'ailleurs, j'aimerais bien aimer avoir des munitions, mais bon. Casse-toi. Oh, putain, pas lui! Oh là là. Oh, vous savez quoi? J'ai pas terminé cette mission avec vous. Je vais la terminer, je pense, tout seul. Donc, de toute façon, je pense que ça suffit déjà. J'ai déjà éteint les trucs qu'il fallait. Donc, je pense que tout est ok. Enfin voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en referai d'autres, évidemment, sur ce jeu. Ou peut-être pas. J'en ferai peut-être une dernière encore. Bref, en tout cas, je vous dis. Ben, tout simplement, merci. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.